Ah bah bravo, bravo. Moi, pendant que j'étais en train de me dire que Noël, c'est dans 5 dodos, eh bah qu'est-ce que j'apprends? Pour Noël, cette année, j'ai décidé de consommer local. Et je prendrai un peu chez les traiteurs. Ouais, parce que cette année, les traiteurs, ils ont été maltraités. Je suis allé au marché de Noël. Le seul truc made in France que j'ai trouvé, c'est l'aligot. L'Aveyron, c'est bien en France, hein. Alors, et comme chaque année, je vais offrir des Smartbox. Il y a de tout en Smartbox. Des semaines de 15 jours en pension pas complète dans un camping à Mazamet au mois de novembre. Ça, c'est pour ma belle-mère. Ouais, Mazamet, c'est ma nouvelle cam. D'une, ça fout un peu la paix à mes copains d'Ariège. Et de deux, les amis de Mazamet sont Mazamet. C'est en France, Mazamet? Mon voisin, il a tellement décoré son balcon que j'ai fait croire à mes gosses que c'est ça, le festival des lanternes. Pas partout, mais il y a des coins en Ariège, ils font Noël entre frères et sœurs. Bah c'est bien, au Noël suivant, la famille s'agrandit. Dans le Tarn, ils chantent Vive le vent toute l'année. Ah, oh, j'irai à la messe de minuit, à la côte pavée. Ah bah la côte pavée, la messe de minuit, c'est leur 14 juillet. Avec leurs enfants, Myrtille, Prune, Amandine, Clémentine, Pomme. Eux, les 5 fruits et légumes, ils les mettent, mais dans leurs gosses. Cette année, mon fils, pour Noël, il veut un cheval de Mérins. D'habitude, on faisait une dinde. Mais... Dans le Gers, paraît qu'ils revendent leurs cadeaux sur le bon coin-coin. Et puis au repas de Noël, il y a toujours ce tonton qui vient de Limoges et qui demande à ta petite nièce qui vient de faire ses 18 ans. Eh dis donc, elle est bien ramonée ta cheminée! Mon grand-père, une année, il a confondu la boîte de foie gras avec la boîte de Viagra. Ben, mamie a fini au bloc. Je me disais, à Balma, ils mangent du saumon toute l'année. Du coup, à Noël, ils mangent quoi? Du dauphin? Moi, dans ma famille, c'est ma marraine qui ramène les huîtres. Ah, les huîtres de marraine, c'est les meilleures. Eh dis donc, elle est bien ramonée ta cheminée! Pour pas me blesser en ouvrant les huîtres, je l'ai fait ouvrir par mon beau-frère. L'an dernier, en finissant la dernière douzaine, il s'est amputé le bras. Du coup, cette année, pas de chocolat. Vous allez peut-être recevoir votre famille, vous aussi, pendant les fêtes. Et j'ai une bonne technique pour éviter de leur parler pendant au moins 1 heure et demie. Emmenez-les au spectacle, au studio 55, à Montaudran. Il y a des mojitos et des fauteuils confortables. Ou une petite place cadeau, hein, ça fait toujours plaisir. On se retrouve après les fêtes, et le premier qui vous dit « Noyau Joël », vous le mutez à Mazamet. Hein, il verra que Limoges, c'est pas si mal.